Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR, votre nouvelle séance de relaxation. Alors, comme je sais que vous aimez bien mes vidéos où je platine des jeux vidéo tout simplement sur PS5, je vous ai concocté ce soir Spider-Man 2. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire tu l'as tryhard le jeu, tu l'as rushé tout ça. Ça m'a mis 2 jours pour le platiner. Ouais, 2 jours et demi à peu près. Et ça m'a mis 2 jours. En gros, je l'ai terminé à 100% en 4 jours. Le jeu il est sorti, je sais plus quand d'ailleurs la date. Et aujourd'hui nous allons le platiner ensemble. Il me reste 2 trophées à avoir. J'ai gardé les plus faciles. Platiné en vidéo et j'ai fait les plus longs hors vidéo. Là, nous nous retrouvons dans le menu de Marvel Spider-Man 2. On va commencer à appuyer sur croix. Comme là, vous pouvez le voir, je suis arrivé au niveau 60. Il y avait un trophée qui demandait d'arriver jusqu'au niveau maximum, niveau 60. Et j'ai le 100%, tout simplement. Mais je ne l'ai pas platiné encore, j'ai le 100% parce que j'ai fait le quartier à 100%. Et ce qui est bien dans ce Spider-Man, par rapport au premier, il y a un mode facile où tu ne peux pas mourir. Alors pourquoi j'aurais mis en moyen ou difficile, en sachant que si tu peux mettre en quartier sympa c'est un mode facile où tu peux pas mourir. Et j'ai mis celui-là parce qu'il n'y a pas de niveau de difficulté à avoir pour platiner le jeu tout simplement. Et puis voilà, c'est parti. Il me reste 2 trophées. Comme d'habitude, je vous mettrai des screens à l'écran. On va faire quartier sympa. On va faire continuer. Et c'est parti, let's go. Alors il me reste quoi comme trophée? Aller sur la tombe de May. Alors il n'y aura pas de spoil hein, dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Comme le jeu il est sorti il y a pas longtemps, il y a une semaine à peu près. Du coup il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo. Je vais pas vous raconter l'histoire tout ça. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, enfin pour ceux qui ont vu le film Spider-Man, enfin tout le monde sait. Pour ceux qui ont joué au premier, tout le monde sait que la tante de Spider-Man, par contre, est-ce que je me suis mis Spider-Man là? Tout le monde sait que la tante de Spider-Man, la tante, excusez-moi, de Spider-Man meurt. Un petit spoil, mais je vous en dis pas plus. Et on va se rendre sur sa tombe. Mais le premier trophée va me demander de faire des figures aériennes ou aériens. Bon, bref. Des figures en l'air sans toucher le sol et on va faire 30 figures. Pour ça, on va choisir pour ceux qui ne savent pas dans Spider-Man, la tour la plus haute, c'est la tour de Avenger. Par contre, je sais pas où aller. La tour de Avenger, je sais pas où aller. Après, si je trouve pas la tour de Avenger, c'est pas grave. Mais je sais pas exactement où aller. Alors on va voir, après je vais vous montrer mes tenues, tout ça, pour faire durer un peu la vidéo. Et je sais que vous aimez bien mes vidéos où je platine des jeux. Comme le dernier jeu que j'ai platiné, c'était Sega Mega Drive classique. Où sont bien, mais je sais plus. Je crois que la tour des Avengers, c'est celle-là. Il me semble. Bon, on va aller sur celle-là. De toute façon, c'est 30 figures. 30 figures aériennes. Non, c'est pas celle-là, la tour d'Avenger. On va se mettre en l'air. Et après, nous irons se balader. On va aller assez haute, celle-là. Elle est assez haute. Du coup, après, on va se balader un peu dans New York. Parce que Spider-Man, ça se passe à New York. Et c'est vrai que ce jeu, j'ai pas mis beaucoup de temps à le platiner. À mon avis, c'est celle-là la plus haute des tours. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. La New York. Et la tour. Ah bah non, la tour d'Avengers, elle est là-bas. Regardez, vous voyez le petit A des Avengers. Attends, on va se propulser.
sur la tournée Avengers. J'essaie de pas faire trop de coupures pour faire durer la vidéo. Alors désolé si vous entendez le bruit de la manette, c'est que ma manette elle vibre et je crois me corriger, mais je crois que là le plus haut des tours c'est la tour des Avengers. Là il y a le commissariat de police et la tour des Avengers je l'ai vue. Attends, elle est où? Bah, elle est où? Attends, je sais pas où elle est. Je l'ai vue en plus. Elle doit être quelque part par là. Alors, c'est vrai que ça m'a pas pris beaucoup de temps à platiner ce jeu. 4 jours. 4 jours. Bon, après, je l'ai rushé. Faut avouer que je l'ai rushé. Mais pour les Spider-Man, j'ai platiné le Marvel Spider-Man 1, le Miles Morales. Et j'ai platiné pas celui-là. Enfin, je vais le platiner avec vous celui-là. Attends, on va se mettre en hauteur voir où aller la tour d'Avengers. Parce que je l'ai vu tout à l'heure, la tour d'Avengers. Ça, c'est Daily Bugle. La tour des. J'espère que vous m'entendez bien. La tour des Avengers, je sais pas. Oh, allez, je l'ai vu en plus. Oh, c'est bête ça. La tour des Avengers. Attends, on va la trouver, hein. Parce que j'aimerais bien vous montrer la tour. On va monter sur ce bâtiment. On va monter sur ce bâtiment. Bah, ici. Qu'est-ce que tu fais, Spider-Man? Ah non, c'était quoi? Putain, je suis tombé le bouton. Oh, la tour des Avengers. Bon, je l'avais vu tout à l'heure. Bah, merde, elle est où? Attends, on va tuer la carte. Et la tour, elle doit être. Ça c'est pas ça. Je sais pas. Bon, je l'ai vu tout à l'heure en plus. Bon, on va continuer à se balader. Et après, nous irons faire les trophées. C'est juste pour trouver la tour pour faire les figures. Les figures. Bon, je sais pas où aller. Je l'ai vu en plus tout à l'heure, comme un con. Elle est là-bas, voilà, je l'ai repéré. J'ai repéré, elle est là-bas, regardez, vous voyez le petit A de Avengers. Et je vais pas vous montrer la statue de Stanley. Stanley, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mec qui a créé Spider-Man, justement. Enfin, c'est un mec qui a créé Spider-Man, il me semble. Et il est décédé. Du coup, dans le Marvel Spider-Man 1 et dans celui-là, et même dans Miles Morales, il me semble, il y a sa statue. Pour rendre hommage à Stanley. Mais je vais pas y aller parce que je sais pas où aller. C'est un petit easter egg. Mais je vous laisse la regarder sur YouTube. Mais je sais pas où aller dans. Regardez, la plus haute des tours, c'est celle-là. Avengers. Alors moi, je me suis mis en Spider-Man noir. Je trouve ça assez stylé. Voilà, regardez, hop. Avengers. Il y a le petit A. Avengers. Et on va monter tout simplement sur la tour. Sur la grande tour, grande tour, grande tour, grande tour, grande tour. Et après, une fois qu'on aura platiné, je vais vous montrer les tenues, les cartes à 100% et tout. Voilà. Ah, comme là, il y a un petit coffre. On va l'ouvrir, mais ça ne sert à rien. C'est pour avoir des pièces high-tech. Alors on va monter. Est-ce que on pourra. J'ai eu un truc là au-dessus de la tête. Hop, voilà. Avengers. Le petit A de Avengers. Désolé, hein, je dis beaucoup Avengers. Allez, c'est parti. On va tout simplement aller tout en haut. On va se mettre sur le pic si j'arrive à me positionner parce que c'est pas évident, je suis pas bien placé, pas merde, je suis pas bien placé et voilà. Alors regardez comment c'est magnifique New York. Alors moi c'est vrai que mon rêve hein, c'est d'aller en Amérique mais pas à New York. New York c'est pas trop mon kiff. Moi c'est plus Las Vegas, Los Angeles, tout ça. Los Angeles j'aimerais bien, mais New York non, c'est pas trop mon truc.
avis, il faut faire des figures, mais sans se scratcher. En plus, t'avais un succès, un trophée à faire sans se. Enfin, faire des figures et se casser la gueule. Attends, hop, c'est parti. Est-ce que je vais réussir? C'est 30 alors. J'ai pas réussi. Bah, c'est bizarre. Ou à mon avis, on va aller sur le tour. Parce qu'il y a trop de bâtiments. La plus haute des tours, c'était Avengers, mais j'ai pas réussi. On va monter sur celle-là. C'est parti. Alors, hop, et on va tout simplement se mettre là. Et on va sauter comme ça. Et voilà. Oh, j'ai pas réussi. Ah bah merde, ça c'est chaud. Il y a trop de bâtiments parce que c'est sans toucher le sol. Au pire, on va aller sur ce building là. Bon, il n'y aura pas beaucoup de coupures hein, dans la vidéo. Ça fait un peu durer la vidéo. On va aller sur ce bâtiment. Au pire, regardez, là il n'y a pas beaucoup de bâtiments. Ouais, là il y a de l'eau. On va aller là-bas. On va aller sur ce building là. Alors dites-moi hein, si vous avez acheté Spider-Man ou si vous comptez l'acheter et où vous en êtes dans le jeu. Mais c'est vrai, une fois que tu as platiné le 1 et le Miles Morales, bah, tu peux platiner le 2, hein, il n'y a aucun problème. Voilà, on va aller là, et là il n'y a pas beaucoup de. Et on va faire 30 figures. Oh, c'est chaud, 30 figures. Allez, 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 allez. Bon, j'ai pas réussi. Oh, fais chier. Bon, au pire, je couperai hein, dans la vidéo si j'arrive pas à faire les 30 figures parce que c'est 30 figures consécutives. On va aller sur ce grand bâtiment. Désolé, hein, ça fait 15 minutes que j'enregistre et j'ai toujours pas platiné le jeu. Bon, après, tu me diras, vous aimez bien les vidéos longues. Mais je pense que ça doit être celle-là, la tour la plus haute. Hein. Regardez comment elle est balèze. Voilà, on va aller là, hop. Ouais, c'est kiff-kiff avec la tour d'Avenger. Alors, oh, voilà, je suis haut. Allez, c'est parti. On va faire un. Oh, bah merde. Ah, fais chier. Attends, on va faire ça. Désolé, hein, j'ai un peu du mal. Alors, hop, et hop. Au pire, c'est à mon avis, c'est. Non, je l'ai pas eu le trophée. Bon, on va aller sur la compte de mai, je regarderai sur internet comment vous faire. Parce que là, j'en ai fait x14. x14. Attends, on va réessayer. Alors là, c'est bon. Non, je l'ai pas eu. Désolé, hein, je m'en sors pas trop bien. La vidéo, elle est un peu ratée, mais bon, on va réussir, ne vous inquiétez pas. Premier, j'avais pas galéré dans le premier. Ça qui est bizarre. Allez hop. Allez, on va faire 30 figures. Allez, 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 allez. Non, bon, j'arrive pas. Bon, on va aller sur la tombe de May. Alors, la tombe de May, pour ceux qui ne savent pas, elle est à Harlem. Et elle se trouve à peu près là. À peu près. Voyage rapide, parce que j'ai débloqué les voyages rapides, ça va plus vite. Et on va trouver sa tombe tout simplement. Alors le cimetière, il est là. Et la tombe, maintenant, elle est où? Alors c'est le cimetière de Harlem. Et la tombe, lui, se recueille vers qui, lui? Et la tombe, elle est quelque part par là. Normalement, il y a un petit point blanc qu'on peut interagir avec. Attends que je la trouve. Alors dites-moi si vous la voyez, hein. Enfin, vous pouvez pas me dire, mais. Elle est peut-être là. Elle est là. Elle est là, la tombe de mai. Regardez, hop. Ben Paris.
Parker, c'est son oncle. Et May, bah, c'est ça, c'est la femme de Ben. Voilà. Là, le moment, il parle, mais bon, j'entends pas. Et voilà, savoir quoi faire, j'ai le trophée, je vous mettrai le screen. Et maintenant, il me reste un trophée, c'est les 30 figures. Les 30 figures, mais c'est bizarre, j'arrive pas. Ou je m'y prends mal, j'en sais rien. Consécutive, ouais, c'est d'un coup. Bon, allez, j'espère que là, ça fera les 30, parce que là, je sais pas. Faudrait que je regarde sur Internet, parce que là, c'est bizarre que j'arrive pas. Non, ça, le trophée n'est pas tombé. Ouais, j'en ai fait, je sais pas combien, mais c'est bizarre, ça marche pas. Alors, j'ai regardé sur Internet pour les 30 figures aériens, c'est que le trophée n'est pas clair, en fait. C'est pas de faire des backflips consécutifs d'un immeuble en un coup. En fait, tu peux faire les figures, mais en te balançant. Ah oui, je savais pas. Moi, je croyais que c'était que des backflips. Des backflips d'un coup, quoi. C'est pour ça que ça marchait pas. En fait, on peut se balancer comme ça et faire des figures. Ah là là là, je comprends mieux quand même parce que je sais que c'est pas. Allez, j'ai touché ça du coup. Je dois recommencer. Je sais que c'est. Enfin, je pensais que c'était pas évident, mais en fait, c'est simple. Ah, je sais pas combien j'en ai. Ah bah attends, parce que là, je suis mal placé. On va aller par là. Allez, c'est parti. Au pire, hein, je couperai le temps que je fasse le trophée. Parce que 30, c'est un peu long. J'en ai déjà fait 4 déjà hors vidéo. 3, 4. Et ouais, je sais que c'est long, 30. C'est bon, j'ai enfin le trophée palais aérien. En fait, fallait juste se balancer et faire des figures. Et voilà la platine qui tombe. Voilà, c'est bon. Et ça me fait mon 139e platine. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça n'a pas été trop long, que je platine le jeu avec vous en vidéo. Mais je comprenais pas le sens du trophée palais aérien, faire les 30 figures. Du coup, bah, fallait juste se balancer et faire 30 figures comme ça. C'était assez rapide. Je pensais que c'était un peu plus long, mais c'était assez rapide. Alors voilà, en espérant que. Si tout vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour me dire ce que. Enfin, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire un commentaire. Ça peut faire toujours plaisir, un petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos ASMR. Et moi, je vous laisse avec Spidey. Bonne nuit à tous.